ensuite, je vais monter sur scène une personne du public pour hypnotiser devant tout le monde. Oui, et alors? La personne s'est transformée. Oh, yes, montez. Je suis un hypnotiseur raté. Ce n'est pas de ma faute. Rien n'est ta faute. Tu n'as jamais été malade non plus. J'en suis sûre. Je me battrai, Thérèse. Je me battrai. Et je serai plus fort que tout ce que t'as fait la misère. Tu te battras. Tu te battras. Mais pourquoi emploies-tu des mots aussi bêtes? Tu n'es pas un vaincu. Et surtout, je ne suis pas un vainqueur. Tu es riche. C'est pire. Un vainqueur qui n'a même pas combattu. Pas possible, ta promesse sous l'autorité. Dans ton nez, gardien, tu n'as bien monté. Elle est combattée. Vous nous sommes tous. On peut goûter le beau gâteau. Mais tu poses trop de questions. Viens avec nous. Arrêtez. Il doit forcément y avoir un panneau d'interdiction quelque part. Mais non, on a regardé partout. En revanche, il y a plein de frestagadas. Et des caramels, et des macarons, et des marshmallows. C'est pas normal un gâteau comme ça sans interdiction. Jade a raison. Il doit forcément avoir un panneau quelque part ou un vendeur. Oh, mais vous êtes vraiment connards à battre toutes les deux. Dans les cuisines d'un hôtel à 3h du matin. Moi, je trouve ça romantique, se retrouver avec un inconnu dans le silence de la nuit. C'est bon. Non, mais vous pourrez me regarder tout de même. Il n'y en a que pour cette pièce montée ici. Bon appétit, messieurs. Oh, ministre d'un conseiller vertueux, voilà votre façon de servir. Serviteur qui pillait la maison. Donc, vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure. L'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Donc, vous n'avez ici pas d'autre intérêt que remplir vos poches et vous en faire un prêt. Vous avez coupé une plaquette de 250 grammes de beurre de petite parcelle. Papa, pourquoi donc? Il est congelé. Quel est l'abruti d'accessoiriste qui a envie de sortir le beurre du congélateur? Vous en faites la nourriture, nous sommes en direct. Bah oui, ça va pas faire amoulir le beurre.